Qu'est-ce que tu croyais? Comment en Angleterre? Ah, il fait froid en Angleterre, mec. Quelque chose pour la caméra? Il fait chaud. Il fait très chaud. Ah, j'ai oublié mon petit... Ah oui, il fallait filmer. Tu sais bien. Allô. 50 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Logiquement, on est toujours chez toi, donc on a fait 0 mètre. Ah, les Twizzlers, merde, bon, c'est pas grave. S'ils sont, c'est quoi ça? C'est un truc américain que j'avais ramené. Horrible. C'est dégueulasse en plus. Non, je les kiffe bien. On n'a pas encore quitté. Et on a déjà consommé un demi-rouleau de PQ. Donc, voilà. Deuxième départ. Allez. Où est-ce qu'on va? Charmé. Ok, alors là on va prendre le train direction Brigue. Ça va coûter 26 francs. Est-ce qu'on sait si c'est une bonne idée ou pas? Et on n'a pas de ticket, hein. Je sais pas où s'achète le ticket. Ouais, bah, on paye à la sortie, non? On va payer au moment, ça ne m'inquiète pas. Ok. On demande à quelqu'un. Là je suis sur le train, il n'y a pas de demi-tour. Nico, tu m'as dit oui. Moi j'ai dit oui quand la caméra n'était pas allumée. Donc, est-ce que ça compte? Mais on est d'accord que Brigue, c'est un bon endroit pour nous. Oui, dis oui, parce que là, je suis dans les trains, gros. Oui, c'est un bon endroit pour nous. Mais tu sais pas faire demi-tour, j'hésite, maintenant. Non, je rigole. Je peux le faire encore, hein. Attends, mais pourquoi non, il s'arrête, il continue pas? Mais comme il doucement. Non, mais les mecs derrière moi. Parce qu'il hésite aussi. En fait, tout le monde hésite. Bon, les gars, je sais pas du tout si ce que je fais est smart ou pas, là. Moi, je pense que... c'est le move pour économiser 1h30. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que on n'a pas pris de ticket. Ah oui, juste. Est-ce que les panneaux... Mais on n'a pas vu pour le prendre. Est-ce que quelqu'un peut regarder? Peut-être qu'il y a moyen d'acheter un ticket sur son téléphone. Moi, je filme. Toi, tu filmes, Nico? Ouais, je regarde. Comme Et Anna, à quel point t'es confiante de ce move? Non, moi je suis contre. Ah là-bas, il y a quelqu'un, on va lui demander. Ah parfait, parce que je t'avoue, je sais pas comment s'appelle le train, donc je sais pas ce que je cherche. Train... Elena, t'es prête à lui demander? Je sais pas ce qu'on va lui demander. Mais non, tu demandes en allemand. Allô? Mais je sais même pas ce qu'on doit demander. Nicolas, tu peux regarder la caméra? Ouais. Ça filme? Ah ouais, ça filme. Tu sais où on doit aller? Non, Brigue. Brigue. Posso pagare scusi, per... Scusi, scusi. Per il biglietto come funziona? Il biglietto è Brigue. Ok. Ah, okay. Perfetto. Grazie. Vous voyez, il n'y a pas de stress, tout se passe très bien. Si, il faut aller à Brigue. Mais Nico, est-ce qu'on doit aller à Brigue? Oui, on doit aller à Brigue. Bah non, Nico, bon, quelque chose d'intelligent à dire pour la postérité? Je suis très content qu'on ait planifié de faire cette activité à l'avance, qu'on ait décidé, qu'on l'ait budgété et qu'on en ait discuté en longueur avant de le faire. On rentre dans les tunnels. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, je veux juste le dire, c'est que j'ai très peu de distance avec la voiture de devant. Et j'ai l'impression qu'à un moment le truc va freiner un peu sec et que je vais lui rentrer dedans. Voilà, ça on c'est voit ma rien, crainte. Je coupe. Ça c'est ma crainte. Je le dis, je l'annonce pour l'assurance. Moi j'ai le frein à main. Montre que j'ai le frein à main activé. Le frein à main est mis, ok? J'ai de la preuve irréfutable. Et il y a aussi. Et il y a du Nutella. Voilà, mais. Bon app. Si. C'est moi qui parle. On est à Bulle, qui est en Suisse, qui est pas trop loin de Charmey. Et du coup, très belle petite place. On peut faire le tour vite. Petite fontaine, petit tour du château, très sympa. Merci Vic. Donc on est à Bulle, on attend l'autre groupe qui arrive en voiture. Ils nous ont demandé de passer par un magasin de musique pour choper des cordes pour Dorian. Le magasin est fermé à une heure très correcte, n'est-ce pas? 16h. 16h le samedi. 16h le samedi, c'est classique. On va vous prendre deux green bergen pression. Un café renversé. Merci. 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 Ouais. Un renversé. Non, un renversé. J'ai pas compris. Ouais, je m'as commandé. Je vois que je suis pas local. Ouais. Je pense qu'ils appellent ça un renversé du coup. Un renversé, oui. Mais c'est un type de café. Parce qu'il a dit un café et un renversé. Ouais. Non, je dis un café renversé. Donc. Oui, et lui, il a dit du coup un renversé. Parce qu'il a dit un café renversé. Un café et un renversé.
Donc voilà, Elena, tu viens de nous humilier. Voilà. moi je trouve que je passais bien pour un local. Moi je passais bien pour un local jusqu'à présent. Voilà, en commandant tête de Grimbergen avec ta caméra. Arrête-toi ici. Et je te filme pendant que tu ouvres le garage. Non, mais je crois qu'on peut arrêter la vidéo. Non, moi je crois pas. Comment tu te sens, Guillaume? Non, des zooms, on va se rapprocher. Oui, je sais. Pardon, je me suis excité un peu vite. Ok, faites des bisous et tout, parce que vous êtes dans les films. Oh, je suis au milieu, ça fait très mal. Ça va? Too much. Ça va? Au revoir. Félicitations. Ah, grazie. Ça va? C'est pour moi parce que je suis vieux. Je me suis rendu compte très vite qu'il y avait une petite fuite. Donc on a fait 50 mètres pour s'arrêter. Scandaleux. En train de crier sur le bord de la route. Oh, ça va quand même. Ben nous on a fait pour les débiles. Il y a eu l'inflation. Quelqu'un, vous aviez compris que c'était comme oui, ça? Oui, oui, avec le... Ça l'a très bon, je trouve. Mais du coup, c'est pas un fromage qu'ils ont fait appuyer comme ça, c'est un fromage qui coupe, ça coince pas. Que penses-tu du fromage farci? Ah ben, moi je pense que c'était une bonne idée. Je pense qu'il va être fort en farce. Bonjour. Est-ce que j'ai raté un panneau? Ah non, comme ça passe. Si c'était pas là. Soyez naturels. Un autre pour la banquette avant, c'est pour la banquette arrière. Il match pas parfait, mais ça, c'est la physique. Bon. Je peux fermer là? Ah, t'as mis au sec si du... ça ferme sur l'écrasé, c'est bon. Ouais. Ça va, difficile le départ de la voiture? Un million de trucs à organiser à chaque fois. Ouais. Mais écoute, j'ai envie de dire, on s'améliore, mais ce serait mentir. On s'habitue? On s'habitue, ouais. Tout doucement. Hein. Une photo? Dans la caméra. Je crois qu'il est dessus, je suis dessus. Ouais, je crois que tu es dessus. 1, 2, 3. Parfait. Magnifique, Pierre, belle photo. Bravo les gars. Genre 4 sur 5. Il a sorti le truc. Ok. Ah oui, déjà le parti. Tiens, ouais. On va en demande. Non, j'ai pas envie. Tu me styles. Il faut chier cette blague. Mais comment je suis d'accord? Tant que t'as pas 3, moi je suis en stress. Ça t'a vraiment envie de l'avoir. On attend ça va prendre. Oh, bravo! Mais elle m'a montré ton as. Je sais qu'il a pas l'as. Moi, ton as. Les gars, je sais qu'il a pas l'as. Ah, comment je sais qu'il a pas l'as? Ah, parce qu'il a tout ça. T'as déjà 3 as. À un moment, t'as eu 3 as. Si je le challenge, attends, parce que t'as le chien, tu l'as vu, et c'est même pas toi qui challenge. C'est ce que j'ai pensé. Tu m'as dit, tu challenge. Je t'ai dit, trois fois. Il en a. Oh. Et j'ai la vie, mais c'est une pute. Je sais que t'as pas une. Monte ton as. Les gars, je sais que t'as pas une. Il en a. Oh. 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 Et j'ai la vie, mais c'est une pute. Tu dois pas montrer ta carte. Hey, yeah, 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 ye
Le micro il est où devant moi? Oh Guillaume qui part en tête. C'est du stéréo. C'est du stéréo. Alors le temps est au rendez-vous. On t'entend pas là. Faut parler, c'est là qu'on parle. C'est par ici. C'est dans là qu'il va parler. Alors, donc lundi. Lundi départ un petit peu lent du matin. On est en train de contourner déjà une première grande règle de l'endroit ici qui a l'air de ne pas pouvoir autoriser à camper. Et nous sommes donc décidés à aller quand même avec les tentes et voir ce qui se passait. Le climat est bon pour l'instant, mais le ciel paraît un petit peu inquiétant. Je sais pas ce qu'en pensent mes collègues pour l'instant. Êtes-vous dans la confiance? Oui, je dirais pour le temps, oui, pour l'instant. Je pense qu'on a besoin de temps correct. Ah. Tu dois dire quelle heure il est maintenant, comme ça on pourra vérifier. 14h, 13h30 alors. 13h30. Donc à partir de 15h30, je commence à m'inquiéter. Ok. Donc, l'inquiétude est déjà un petit peu anticipée, mais pas encore présente. L'inquiétude anticipée, c'est bien, c'est voilà. Ça. Allez. On va aller moins près que ce. Alors voilà. On est toujours en train de monter la montagne. Vue magnifique, les autres zouaves sont devant. Sauf qu'on a perdu pas mal de poids. Il s'est avéré que le camping est illégal dans cette zone. Ce qu'on savait plus ou moins en arrivant quand on a vu le panneau avec une tente coupée. Mais bon voilà, on a été dévisagé par toutes les personnes qu'on a croisées. On nous a dit camping verboten quelques fois. On nous a arrêté quelques fois. Voilà, quelques fois. On a compris. On a, grâce à Léo qui a charmé, mais magnifiquement charmé, une jeune Suisse dans son chalet, on a réussi à laisser la moitié de nos affaires dans une étable. Et il faut le dire, Lionel, son niveau d'allemand, magnifique. Au niveau de charmage, on savait qu'il était déjà là. Mais il a réussi à combiner les deux d'une manière exceptionnelle. Et ça se respecte, moi je l'ai dit. Je lui ai dit personnellement il y a quelques minutes, mais c'était du beau jeu. Et voilà, donc on continue l'aventure. Cadre magnifique. Et on nous a prévenu qu'il allait pleuvoir. Ah oui, on nous a prévenu qu'il allait pleuvoir. Ce qu'on savait déjà. Je pense que... Mais on voit que ça se gâte tout doucement, quoi. Ça se gâte. Mais c'est dramatique, hein. C'est juste que, voilà, le cadre se dramatise. C'est magnifique. C'est ce qu'on cherchait. C'est quelque chose. À chaque mouvement, par contre... Il est en train de manger. On le voit bien, hein. Ok, mais c'est bon, assez de vidéo là. Voilà. Tu vois ce que je veux dire quand je te dis que t'as vite 14 minutes de marmotte? C'est un petit shot, man. On va le mettre pendant une seconde, juste un, ouais, un slide. Ah, il va rentrer dans sa grotte. Okay. Ou pas? Il ressemble un peu à un capybara comme ça. Il ressemble un peu à un capybara. Capybara. Capybara, je connais. Ok, il ressemble un peu à. Je crois que tu chantais tout ce qu'il disait. Capybara. Bon, les gars, ça ressemble pas à un capybara. Nous voilà arrivés. Le lieu prodigue, le magnifique lac. Et qu'est-ce qui arrive? Il pleut. Gitch, est-ce que tout se passe bien? Tu vis ta meilleure vie? Nickel. C'est magnifique. On va profiter de la plage bientôt. La plage, c'est à tout moment à partir de maintenant. Hein. Je suis pas sûr que ça, on voit bien qu'il pleuve. Ah si, on voit bien qu'il fait dégueulasse là. Bon, pour les téléspectateurs les plus aguerris, vous aurez compris du coup que ce qui devait arriver arriva et nous sommes maintenant sous la grosse drache. Hein. Ah, mais il y a posé de l'autre côté. Hein. Moi je disais ici, hein, ouais. Là où il y a Nico. Ouais, alors ici, oui, c'est plus. Ça va, c'est bien. Ok. Je voudrais dire merci au Trimlitzmaker. Trimlitzmaker. Et on va essayer de mettre un tarp. Hein. On va voir si on arrive à quelque chose. Ouais. Allez, on se voit quand on sera posé, bien installé. À l'abri de la pluie. Je sais pas pourquoi vous venez pas, on a un super abri. Il est golden plus. Les gars, il y a des, je répète, il y a des putains de noisettes qui sont là-bas, enfin des noix, je vais pas les prendre. Je sais pas pourquoi ils vont pas dans l'abri. L'abri est vachement bien. Calme après la tempête.
Le lac tant rêvé. Les vaches qui font du bruit, comme d'habitude. L'équipe remotivée. Les vêtements un petit peu séchés. Et une envie de retourner clairement à la maison. Après avoir profité du lac 15 minutes. Nous sommes heureux d'avoir fait cette promenade. Il fait beau que quand on prend la voiture. Mais on est quand même content d'être ensemble. Et on avait besoin de ces vacances si reposantes. Et si inspirantes. Nous rencontrons des gens exceptionnels. Ce troupeau en est le meilleur exemple. Elle est cool la photo. J'ai failli tomber. Bon, on se sent un peu mieux maintenant qu'il a arrêté de pleutre, non? Un petit peu. Un peu. On se sent revivre, carrément. On se sent revivre. Mais la danse ne va plus aider. La danse de l'arrêt de la pluie. Ouais. C'est pas la plus connue, mais elle est bien aussi. C'est plus approprié à la Belgique. Gitch, tu plantes tes bâtons dans de la bouche. Ah merde, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Alors chers amis, on est dans les dernières minutes où on peut... On est au moment, juste avant le moment où on a appris que Dorian s'est blessé. En tout cas, on a perdu Dorian. Ça fait 5 minutes. C'est vraiment blessé ce footage, ces images. C'est d'archives. C'est archives. 5 minutes qu'on a perdu Dorian. Lionel est reparti. On est d'accord qu'à ce stade de l'attente, genre. Si c'est pas un truc un peu grave, je suis vénère. C'est triste. Ouais. Tu vois, ouais. Il y a deux options en fait. Non, trois. Il s'est perdu, c'est cassé la gueule, ou il est juste en train de faire de la musique. Ouais. Alors, quels sont vos paris, vos pronostics? J'espère qu'il fait de la musique. Moi, je pense que les autres sont pas cool. Je pense qu'il y a plus de mauvais chemin. Mais il y a qu'un chemin. En plus, on était hyper busy. Il est fort loin, donc moi aussi, je pense qu'il s'est perdu, en fait. Mais on était hyper visible, en fait. Mais oui, moi, j'ai un truc orange. Tu peux pas rater. Tu peux pas me rater. C'est bizarre aussi que Lio... Très étrange. Et on voit plus Lio non plus. C'est con. Ils sont en train de faire de la musique à deux, maintenant. Il avait besoin de quelqu'un pour les chœurs. C'est ça. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure en plus. On n'a pas fait les chœurs pour les chanteurs. C'est quand même bizarre. Alors, le même prix, c'était station d'armes. Tu regardes pas d'avoir été. Au même prix, c'était qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. J'avais vu la trace après de mon pied dans la boue, c'était comme ça. Juste. Aïe. Ça va? Ah bah donc heureusement que Lio est allé alors. Ça m'a soutenu. Ouais. Parce que je me suis dit, ok, tant pis, je vais la retrouver tout en bas ou à la ferme. Mais. Un peu déçu. Un peu déçu. Non, ça va. Il voulait une fracture ouverte. Ah, mais c'est pas une fracture ouverte, mais faut pas opérer. Mais non, mais ça va, il y a du sang. Il y a du sang. Franchement, il y a du sang, ça vaut. On n'a pas attendu pour rien. On n'a pas été inconscient non plus. Ah, pour moi, j'ai pas besoin qu'il se fasse très mal, mais un peu de sang c'est bien. Pour la caméra. On va retrouver ma campagnarde, ma montagnarde. Je sais pas si on le voit sur le film. Je vais faire un zoom digital en post-production. Mais là je vois rien. Ok,
on se voit au prochain épisode. Si c'était un peu moins de travail, ce serait cool d'avoir une femme. Genre beaucoup moins de travail, quoi. Beaucoup. Genre s'il fallait rien faire. Ouais, juste de temps en temps t'occuper de tes animaux. Regarde comment ils s'amusent. Ouais. Non, c'est elle parce qu'ils ont mis des animaux là-dedans. Ah ouais. Voilà, plus ils ont déjà. Tu sais, j'y ai pensé que je me suis dit fou d'être les animaux là-bas. Déjà, on avait une vidéo. C'est ça que j'avais fait moi. Hop. Et puis là, tu descends en PX. Non, ça c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais. Tu vas te tuer. Non, je suis très content de juste descendre ça, puis tu es de l'autre côté. Ah, mais attends, tu peux voir la carte? Je suis la carte. Ouais, vas-y. Mais quand on parle frites? C'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai fait ça en fait comme trajet. Tu fais là, le petit trajet là. Oh, un petit peu. Est-ce qu'on a le micro pour savoir que les gens restent tout à fait là? Ouais, c'est un moment grand émotion. C'est un truc de VTT, Il y avait des VTT à l'Ouméon. Ouais, c'est cool. Donc, je pensais que j'avais pas le vertige. Je vais essayer sans les mains, voir ce qui se passe. Ok, il y a certaines vues qui foutent le vertige. Alors Nico, est-ce qu'il y a des moments... Est-ce que les émotions vacillent? Non, là j'ai pris le contrôle sur la situation, j'ai l'impression. Bah, fais un tour sur toi-même alors. Non, ok, ça va. Tu dirais qu'on a combien de hauteur là au sol? Au moins 50. Je dirais une dizaine d'étages, quoi. Mais il y a des endroits où on se rapproche un peu du sol. Thank you.
réaction après cette magnifique prise? Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'était dur de me mettre dedans et de m'inspirer du moment parce que j'avais quand même trois caméras sur moi et j'ai pas l'habitude de ça. Mais j'ai pensé aux moutons noirs, aux troupeaux qu'il y a là-bas, qui ne sont pas stressés devant une caméra, j'imagine. C'était Dorian sur comment vaincre le trac. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh. Oh, wow! Tu l'as acheté au magasin de musique dans mon dos? Que j'ai envie qu'il va pas acheter ça en Suisse. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde-le. Je crois savoir ce que c'est. Attends, what? C'est un mini caronne de rue. Exactement, c'est un caronne de voyage. Caronne de voyage, putain. Je pense que j'avais déjà vu ça. Non, pas le bon sens. Ça doit être bon directement. Y'a pas de pression, mais sinon on ramène au magasin. Voir même. Allô. Wow, mais c'est un vrai caronne. Regarde, les mecs, ils sont là, ils nous attendent, hein, ils veulent le bouffer. Ah, ici. C'est ça, qu'est-ce qu'il a? Il est en rythme. Voilà, cadeau. Parce que la pluie sort, les gens la nuit dehors, nos beaux camarades, nos beaux espoirs, parce que les absents et nos mémoires, parce qu'avec le temps on va, tout dit-il, tout s'en va. Mots tremblants qu'on ne sait plus croire, parce que la triste ironie des miroirs, les malins qui parlent haut, les oubliés privés de mots. Serre-moi fort, serre-moi encore, petite. Ferme tes bras, ferme la porte au diable qui m'emporte. Serre-moi fort, serre-moi encore. Ta jeunesse et mon école sont tes caresses quand la nuit mord. Serre-moi fort, serre-moi encore, petite. Ferme tes bras, ferme la porte au diable qui m'emporte. Diable qui m'emporte. Ils ont finalement décidé que c'était trop dangereux et on fait demi-tour. Petit commentaire? Ouais. Je suis content d'avoir dit non. Parce que hier j'ai fait une chute et j'ai glissé.
dans un truc pas grave du tout. Je pense dans que la c'est... boue. C'est raisonnable. Mais les cailloux qui frottent sur les autres, c'est des fois 10 fois pire. Et je sens le. Je sens la connerie. Prise 2, Fly Me to the Moon. Thank you.